Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler musique et lecture avec le livre de Jean-Michel Jarre qui s'appelle Mélancolique Rodéo. Donc, restez là. Jean-Michel Jarre est un auteur, compositeur, interprète originaire de Lyon. Il est surtout connu pour son travail dans la musique électronique et a vendu plus de 85 millions de disques au cours de sa carrière. Ce livre est donc sa biographie, ou plutôt son autobiographie, dans laquelle il nous partage des petites anecdotes de sa vie, de sa carrière, etc. Le livre contient un avant-propos dans lequel il nous explique vaguement comment il est arrivé à écrire ce livre et de quelle manière. Et ensuite, on a une sorte d'introduction, entre guillemets, dans laquelle il nous parle de son rapport à la Russie et les coulisses de son tout premier concert là-bas, ainsi que comment une surface d'eau a été transformée pour y accueillir du public. Alors, il n'y a pas vraiment de chronologie dans le livre. Les 39 parties racontent toutes un souvenir personnel et ou professionnel. D'ailleurs, il débute par le décès de son père à Hollywood et les circonstances hallucinantes dans lesquelles ont eu lieu sa crémation. Et c'est dingue de se dire que même en étant connu si grandement de son vivant, une fois décédé, vous n'êtes vraiment plus rien. Ah oui, j'oubliais de préciser. Il est le fils du compositeur Maurice Jarre et de France Péjot, ancienne résistante lyonnaise. Au cours de notre lecture, on découvre également qu'il avait un groupe appelé les Dustbins, littéralement en français les poubelles. Et pour se rendre aux répétitions, n'ayant ni voiture ni permis et que sa mère refusait de lui prêter sa voiture et pour cause, il avait trouvé un moyen assez original, j'ai trouvé, d'emprunter la voiture sans que sa mère ne s'en rende compte. En fait, il roulait tout simplement en marche arrière, puisqu'il s'était rendu compte que, en ce sens, les kilomètres ne se comptabilisaient pas. J'ai trouvé ça assez original. Jean-Michel Jarre nous parle aussi de l'achat de son premier synthétiseur et de la façon dont il a fabriqué artisanalement un multipiste à l'aide de scotch et de bidouillages divers. Il nous ouvre un petit peu aussi les coulisses de son premier et deuxième album, ainsi qu'une anecdote qui s'est déroulée aux États-Unis lors d'une séance de dédicace où plusieurs fans étaient venus lui apporter un petit sachet de cannabis, tant et si bien qu'à la fin de la séance de dédicace qui s'est terminée le soir, je crois, le coffre de la voiture en était plein. J'ai aussi découvert une façon de travailler assez originale pour l'époque. Comme les synthétiseurs et machines diverses dont il se servait n'avaient pas de mémoire, pour se souvenir des réglages de chaque partie de chaque morceau, Jean-Michel Jarre les photographiait à l'aide d'un Polaroid. C'est un petit peu une archive visuelle de sa musique. On apprend également que son album Musique pour supermarché a été édité en un seul et unique exemplaire, qu'il a été vendu aux enchères, et que les fonds ont été reversés, je crois, aux jeunes artistes exposant ce jour-là. Il nous parle également des coulisses du fameux concert à Houston en 86, qui donnera lieu à un album live, Houston-Lyon 86, que vous pouvez trouver sur YouTube et sur Spotify. Je vous mettrai des liens. Et d'ailleurs, je vous recommande vivement d'écouter Ethnicolor sur ce live. Elle est juste magnifique. Il évoque aussi un autre concert qui, pour moi, est le meilleur niveau programmation musicale. C'est celui de 1995 à Paris, le concert pour la tolérance. Là encore, mon coup de cœur reste Ethnicolor, avec à la place des violons un solo de guitare de Patrick Ronda qui vous file le frisson. Je vous mettrai également un lien si jamais vous voulez aller le voir. On découvre, pour ma part en tout cas, un artiste entre guillemets timide, j'allais dire, proche de son public et respectueux de ses fans. Quelqu'un d'humain et de perfectionniste, ce que je comprends parce que je suis pareil dans tout ce que j'entreprends. Côté concert, il a aussi évidemment évoqué son tout premier concert en 79 à la Concorde,
où il a battu un record puisqu'à la surprise générale, plus d'un million de personnes étaient présentes. C'est vraiment un record pour un concert gratuit à l'époque. Et là encore, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Il évoque donc dans ce livre des objets, des instruments, des personnes qui ont marqué sa vie et ou sa carrière, ses périodes de dépression et le vide créatif qui est quelque chose d'horrible pour un artiste qui vit pour et à travers sa musique. À la fin du livre, il y a également une playlist de plus de 100 titres, 116 pour être exact, à écouter de préférence dans l'ordre, conseil Jean-Michel Jarre, et qui comporte des compositions lui appartenant, mais aussi du Eminem, du Billie Eilish, du Beatles, Bob Dylan, Radiohead, Queen, AC/DC, David Bowie, etc., etc. Il répertorie également par top 20 ou top 10 les meilleurs synthétiseurs, machines diverses et luthiers 2.0. J'ai été surprise par la toute dernière partie où il nous partage des photos de ses carnets où il a écrit et composé pas mal de titres, dont le fameux « Les mots bleus » de Christophe et « Où sont les femmes » de Patrick Juvet. Là encore, je vous mettrai un lien vers les titres que vous puissiez les écouter si jamais vous avez envie de les découvrir ou les redécouvrir si vous les connaissez déjà. En résumé, si vous avez envie de découvrir un peu mieux qui est Jean-Michel Jarre, ce qu'il inspire, sa façon de construire les morceaux, ses concerts et leurs coulisses, je vous recommande ce livre. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire puisque c'est un artiste que j'apprécie beaucoup et j'ai découvert des choses le concernant sur sa vie, sur sa carrière. Donc voilà, je vous le conseille et si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Sinon, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!